À peine maestro et pourtant déjà très à l'aise. Devenue championne de N'oubliez pas les paroles ce jeudi 25 mai, Laura Dor est déjà nouée une belle complicité avec Nagui. Très à l'aise malgré le trac, la pression de l'enjeu et les caméras, la jeune chanteuse a fait une drôle de confidence sur le plateau de France 2 ce vendredi 26 mai. Après avoir interprété Ta fête de Stromae, l'animateur de N'oubliez pas les paroles a voulu en apprendre davantage au sujet de la nouvelle maestro en lui posant une question sur des paroles précises, « Tu sors trop ?» du moins si est-il ce qu'ils disent. Si est-il votre cas d'ailleurs, vous aimez ? A lancé Nagui. Oui, j'aime bien, a d'abord répondu Laure. Et de rapidement préciser que si elle n'était pas la dernière à aimer faire la fête, elle ne la faisait pas non plus à outrance. Je sors de temps en temps, mais je ne le ferai pas tout le temps, a confié la maestro à Nagui. Étonné par cette réponse venant d'une jeune femme, l'animateur a souhaité connaître les raisons. Je suis trop fatigué, a plaisanté la chanteuse amatrice. J'ai l'impression que je suis déjà trop vieille pour faire ce genre de choses. Une plaisanterie qui a beaucoup amusé et surpris l'animateur de N'oubliez pas les paroles et son équipe. Le conseil avisé de Nagui à la maestro: il faut du sommeil. Du sommeil, du sommeil, a continué Laure, sous les rires des spectateurs, des Ico et de Nagui. Mais vraiment surpris par cette confidence, l'époux de Mélanie Page s'est demandé de combien d'heures de sommeil avait besoin sa nouvelle maestro. En vrai, au moins 8, a répondu Laure, un peu gênée. Oui, bah si est-il plutôt normal. A embrayé l'animateur de N'oubliez pas les paroles. Pardon, mais ça ne vous empêche pas de sortir pour vous amuser. Pour rencontrer des personnes. Tomber amoureuse. L'occasion pour Laure d'expliquer que son cœur n'était pas pris. Bah sortez un peu plus, l'a enfin conseillé Nagui dans un rire. Et la maestro de répondre, si est-il ce qu'il me manque donc, merci Nagui. Times through the rough times I